Bonjour. Ici sur le site de Duval. Parlez enfants. Je sais pas où on est en fait, une sorte de mémorial des joueurs de tambour. C'est ce que j'ai compris. C'est bizarre comme endroit. Petit warm-up du matin. Après le breakfast. Ouais, un petit single technique. On arrive sur le bord de la mer. Superbe. Grande terre. Bonjour. Ici sur le site de Duval. Et voilà. Dernier jour de la Guadaronne. On est revenu sur la Guadeloupe, sur Grande Terre. On est dans un. Je sais pas où on est en fait, une sorte de mémorial des joueurs de tambour. C'est ce que j'ai compris. C'est bizarre comme endroit. On va partir pour 6 km, je crois, de plat. Enfin, c'est une étape qui fait 17 plats. Il y a 100 mètres de dénivelé sur 17 bornes. Et on devrait partir dans les champs de canne à sucre pour rejoindre la mer et terminer sur la côte. Vers un endroit qui s'appelle Anse-Bertrand. Alors, je crois que c'est un endroit assez touristique, et un sentier de randonnée qui longe la côte. Et on va courir dessus. Non bon, je suis toujours envie de courir en fait, donc c'est bien après 6 jours. Je suis toujours un peu vaseux, la gorge prise, mais c'est moins pire qu'il y a 2 jours. Donc, j'essaie de bien courir. Puis, je crois que j'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas. J'ai forcément envie de trop filmer, j'ai fait 6 vidéos cette semaine. Voilà. Aujourd'hui je cours avec les Millet Light Rush. Millet se lance dans le trail vraiment avec cette paire de chaussures. Un produit tout dynamique, 6 mm de drop et une semelle Michelin. Donc, j'ai déjà couru un peu avec. Je ferai un test détaillé et une vidéo sur la chaussure. Petit warm-up du matin, après le breakfast. Ah, c'est magnifique ça. Ça, si les gens font pas la Guadeloupe après. Non, je te filme toi, pas, même pas tes pieds. Ah, d'accord. Pas que je parle. Il a des têtes de Ah d'accord. Allez rapidement, la cause va commencer tout à l'heure. Ouais, donc c'est bien un tambour en fait. Hein. C'est ça, hein, c'est le mémorial du tambour. C'est Pierre qui s'échauffe, le leader. C'est votre dernière étape du Guadarone. Demain, c'est une étape fun. Elle ne comptera pas pour le classement général. Elle comptera juste pour le classement de l'étape. C'est la dernière aujourd'hui. Prenez du plaisir. Vous allez partir en sortant, prendre sur la gauche. Vous restez sur la route principale. 30 secondes. C'est parti! Juste derrière les deux premières féminines. Ça donne une allure souple et fluide. Deux kilomètres, 11 minutes. On est dans les champs de canne à sucre. Il est 7h10, il fait chaud. Thank you.
Apparemment, il y a eu un faux balisage. Déplacement de banderole mal intentionné. Au quatrième. Premier ravito. Un peu moins de 6. Bon, j'ai raté l'enregistrement, je vais pas le refaire parler, mais Patrick, il a fait une dizaine d'ultra, il a fait toutes les grandes courses, tous les 100 miles et tout ça. Et puis il a décidé de venir faire la Guadarun pour, comme dernière course. Dernière étape de la dernière course. Voilà. Allez, amuse-toi bien. Au revoir, adieu. Ouais, un petit single technique. On arrive sur le bord de la mer. Ah, c'est bien, ça change. C'est super là. Bord de mer, il y a des single étroit. Ah, c'est du trail quoi, c'est bien. J'ai filmé un petit peu longtemps là, genre une minute, pour vous montrer un peu le sentier. Puis l'ambiance de la course, parce que la plupart du temps sur les vidéos, je pars, je monte des paysages, je m'arrête. Mais je cours aussi en fait. La grande pointe. Je sais pas si on voit Justine dans les branchages. Là-bas. Superbe. Grande terre. C'est à moitié, c'est calcaire ici en fait. Pareil, c'est un sédiment. Ou alors il y a des mélanges d'éruptions volcaniques, je sais pas trop. Bon, un petit mot sur la Guadarun, je suis vraiment à super chaud. Hein. Je suis en train encore, je suis au 12e kilomètre là. C'est vraiment un super événement. Visiter toutes les îles de Guadeloupe, rencontrer des gens qui ont la même passion que toi, dans les lieux superbes, hein, camping sur la plage. C'est un peu dur parce que c'est des étapes de 15-20 bornes, c'est-à-dire qu'il faut aller vite. Et moi je préfère un peu plus long et du coup tu vas moins vite, tu as moins dans le cardio. Mais vraiment, ouais, je recommande. Voilà, c'est que les bons trucs. Hein. J'ai aussi un peu bah, parlé des à côté, mais il y a des. Globalement, c'est un truc que je recommande. Et toujours Marion, encore Marion. Désolé Vincent. Bon. Il reste 2 km. Oh, je suis content quand même. Derrière là-bas le bloc qu'on voit au loin, c'est sur une plage, ça s'appelle l'arrivée, ça s'appelle sur Lance Bertrand je crois. Ouais. Bah, beaucoup aidé mentalement. Voilà, je termine avec Marion. Mon binôme a quasiment sur toute la course. Ouais, une de choc. Ouais. C'est l'arrivée avec une plage rouge et brune. Bravo,
Bravo. Voilà. Ah, c'est vrai. Au ça. 182. Et voilà, c'était la dernière journée, dernière étape, une superbe semaine de course en Guadeloupe. J'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs, une belle aventure avec des gens super. Je recommande vraiment cette course, hein. C'est assez différent de ce que je fais d'habitude, parce que moi je suis plutôt des longs et des courses d'un jour. Et en fait les courses à étapes, ça permet de voir autre chose que seulement la course. Et de profiter un peu différemment. Vraiment, vraiment une super expérience, la Guadarrone. Non, non, toi avec toi. Alors les enfants, je viens de terminer la Guadarrone. Donc logiquement, c'est fini. Bon, je peux pas rester sur cette conclusion. Je suis en train de faire une synthèse, un best-of de toutes les étapes. Bon, ça va prendre un ou deux jours. Suivez la chaîne, abonnez-vous d'ailleurs, j'ai pas dit. Voilà, faut s'abonner.